Et salut les connards! Alors on se retrouve pour la démo de Resident Evil 8 Village. Alors il y a très peu de démos disponibles sur PS5. Ça c'est une des rares. Donc on va flipper ensemble. Surtout que là je joue au casque, mon pote, je vais me chier dessus. Oh là là, putain c'est bien fait quand même, hein. Alors, il faut s'échapper du cachot. Ouais, déjà, je vais pas insister sur la porte. Je vais pas m'échapper par les chiottes quand même. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et qu'est-ce que je fous dans le cachot déjà? C'est quoi cette histoire? Morceau de papier. J'ai ce soir, je prie pour que vous en sortiez vous aussi. Ouais, mais si c'est un jeu comme ça, franchement, ça va me gaver quoi. Enfin, moi, je suis resté bloqué sur les Resident Evil. Bon, alors, je peux. Comment je peux me baisser? Voilà, donc c'est R3. Ah, oh, bah il y a un trou. Putain, mais cette cellule, mon pote, elle est super sécurisée, dis donc. Allez, on va ramper. Alors, mais où suis-je en fait? J'aimerais bien savoir. Oh putain, des machines à torture. Ah, oh, bah c'est chouette, ça met l'ambiance déjà. Examiner. Encore un morceau de papier? Ah, ouais, non, d'accord, c'est pour l'utiliser. D'accord, c'est un peu con. Ah, c'est ouvert là. Non, mais parce que si c'est un jeu style, ouais, dès que tu te fais voir, tu meurs et puis faut recommencer, ça va me gaver. Je te le dis clairement, mon gars. Ah, j'entends du bruit. Oh non! Ah, ça c'est malsain! Elle va se réveiller direct. Ah! Oh. Help me, brother! D'accord. Bon, ça met une ambiance déjà, c'est bien. C'est genre, j'ai que ça à foutre de fouiller chaque cellule, quoi. Alors que bon, en vrai. Je me casse un morceau de papier. Ben non, on va pas le relire le morceau de papier, c'est verrouillé. Ah, j'aime pas le menu déjà, ça me gave. C'est verrouillé. Ok. Donc, ah, mais elle est bien cette chaise. Putain. Ah, c'est pour de l'acupuncture. Hein. Bon, alors. Examiner. Un objet nécessaire. Putain, mais s'il faut faire ça à chaque fois, c'est pénible. T'as ton morceau de papier pourri. Oh là là, l'autre il appuie ses jambes, d'accord. Bien, 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 bien. Bon, bon, bon. Avançons. Avançons. Franchement, je vais sursauter. Je vais me taper la honte. Ça va être minable. Voilà. Ça, je peux pas virer la bâche là. Et là, il n'y a pas quelque chose. Ah, et un tableau. On n'a rien à foutre. Et des seringues. C'est ambiance ici, hein, quand même. Hein. Je sais pas où je suis, mais c'est ambiance. Hein. Ah, tiens. Examiner. Médicaments pour maintenir le bétail en vie. Ouais, le bétail, déjà, c'est. Ouais, si c'est nous le bétail, bon, déjà, c'est quand même assez malsain. Il faut un pied de biche ou un truc comme ça, quoi. Je vais galérer à trouver ça, mon pote, ici. Oh là là. Ah, oh, bah non, c'est juste là. On a le coupe-boulon, mon ami. Donc, déjà, je peux assommer des types avec ça, moi. Oh! D'accord. Il y a des trucs qui tombent. Oh putain, c'est haut! Ah d'accord! Ah, il y a toute une petite collection de cadavres. Eh ben, c'est sympa. C'est sympa. Alors, coupe-boulon. Ah, j'aime pas ne pas avoir le coupe-boulon dans les mains, tu vois, déjà. J'aimerais bien l'avoir dans les mains, comme ça, je leur coupe la gueule, tu vois. Si jamais il y a des méchants, tu vois. Alors. Examinez. Ah, c'est plein maintenant! Oh! Un petit crochet. Putain, ils te mettent la musique de ouf à chaque fois que tu trouves un objet, c'est un peu ridicule. Ça fait un peu de jumpscare à deux balles. Là, d'accord. Donc faut que je retrouve. Il y avait une deuxième cellule qui était fermée. Je vais tomber dessus de toute façon. On va continuer. Quoi, quoi, quoi? Il y a des bruits là. Oh! Oh non! Non, 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 non. Ça, je suis pas fan. Quoi, il y a un problème? Oh, vas-y, arrête de me saouler, c'est bon, je laisse-moi couper les trucs. Ah, de faire du bruit, ça me gaffe, ça sert à rien. Vas-y, je vais faire genre que j'ai pas peur. Oh, il y a un putain de bruit de monstre. Mais qui va là? Fichtre! Malandrin! Oh putain, il est enfermé là-dedans, on va le laisser alors. Hein. Alors, on peut examiner ce cadavre sous toutes les coutures. Ouais, il est pas très bien fait, enfin, il est vraiment mutilé, hein, ça. Alors, si j'ai ouvert cette porte. Mais ta gueule, putain, je vais porter plainte au voisinage, moi, pour tapage nocturne. Karim! Karim!
Je vais te mettre dans la cuisinière, tu continues comme ça. Donc attends, normalement il devrait y avoir quelque chose, parce que sinon pourquoi ouvrir cette cellule? Bon attends, j'ai le crochet, donc le crochet, je vais pouvoir quand même crocheter quelque chose, on va dire que c'est peut-être ça. Yes, le crochet. Le crochet. Donc, pour l'instant, le gameplay, il n'y a rien à faire, hein. Il y a juste des objets à trouver. Voilà, donc ça, hop, on dit examiner. Oh, bah dis donc, bah c'est déjà plus sympa. Waouh, oh, le sculpteur, il s'est pris la tête. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est très beau. Ah, j'aime bien. C'est mieux que les cellules d'avant. Hein. On passe d'un truc à l'autre. Attends, on va aller là. C'est quoi, j'espère que c'est du vin et pas du sang. Hein, parce que les gars, ça fait beaucoup de sang quand même. Hein. Ça fait beaucoup de sang. Ouais, bon, alors on va continuer. Non, mais il y a des bruits de pas là. C'est pas les miens en fait. Ah, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop beaucoup ça, moi. Eh ben, on va mettre de la musique, tiens. Bim, bam, boum, la satamardou. Danse macabre. Ouais, d'accord. Oui, mais pas de la musique. C'est dommage, ça aurait été marrant. Il y a une porte. Tu vas t'ouvrir, saleté de porte. Putain, mais je te foutrais du coup de latte, non, moi. Tu suis enfermé chez quelqu'un de ouf comme ça. Attends, tu rigoles. Ça sent terriblement mauvais. D'accord. Ah putain, ça fait des jours et des semaines que c'est là. Et puis c'est des boyaux de gens, j'imagine que... Hein, forcément. Donc là, c'est de là d'où je viens. Je vais pas y retourner parce que quand même... Alors ça, sympa de pouvoir allumer les bougies. Ça sert à rien de se baisser. C'est le mec, il cherche, il est à quatre pattes constamment. C'est un peu ridicule. Là, il y a que dalle. Eh non, il n'y a pas que dalle. Ouvrir. Oh bah oui, d'accord. Il y a des passages secrets partout. Les gens, ils ont laissé des bougies exprès. C'est sympathique. Bon, alors, il y a des bruits de pas. Il y a des créatures enfermées. Il y a une brique qui dépasse, manifestement. Passage secret. Passage secret et compagnie. Alors allons-y. Ouais, c'est pas du tout comme dans... Moi, je suis resté bloqué au premier Resident Evil et 2 et tout ça, quoi. Oh, c'est beau, regarde, nature morte. Vraiment morte, en fait. C'est quoi, ça? Là, des fruits pourris, quoi, ou des trucs comme ça. Bon, c'est mal entretenu, cette baraque. Hein. Ah, l'échelle, la fameuse échelle. Ah, je peux y monter comme ça, d'accord. Et j'ai plus de lampe torche. C'est bizarre, hein. Oh, comment c'est beau! Ah ouais, d'accord. Non, mais là, c'est encore pire, quoi. Non, mais plus on tombe... Enfin, franchement, c'est le luxe absolu, quoi. Plus on passe de pièces, plus... à quoi? Un collier? Il est où, le collier? Ouais, un collier avec des dents. Bon, je veux bien. Moi, je veux bien, tu vois. Par contre, c'est beau, hein. Ça a vraiment de la gueule, hein. Oh, ouais, c'est classe, les effets de lumière et tout... Quoi? Eh, putain, j'entends dans le casque que ça vient de là, en fait. Ah là là, ça fait trop flipper. Bon, ouais, y a pire. Y a pire. Moi, j'avais joué à Outlast, je crois que j'ai dû changer tous mes slips par mon pote. Hein. Franchement, Outlast, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Là, à côté, c'est que dalle. Ouais, je dis ça, et puis ça va me faire sursauter. Bon, tu dis quoi, toi? Ouais, tu dis pas grand-chose. Tu regardes là-bas, c'est un indice. Putain, c'est grand, hein, je me suis déjà perdu, en fait. Oh, c'est impressionnant. On va lui remettre un collier, par exemple. Que coupe-boulon. Il manque un œil. Ah. Il manque un œil. Bon, bah écoute, on va essayer de trouver ton œil. Hein. Bon, il pourrait éclairer un peu mieux. D'accord, vas-y, marre-toi. Ça te fait rigoler? Ça fait rigoler que je galère comme ça, dans ta baraque? Attends, il y a pas quelque chose dans le feu, hein. Sont similaires à ceux que je porte. Ah ouais, d'accord, ils brûlent les vêtements des gens. Ok, donc on a servi le thé. Ouais, et ça sert à quoi? Ça sert à rien. Oh, du sang. Oh, d'accord. Oh, mais c'est mal fait.
Ah, c'est trop bizarre. Ça fait une illusion d'optique chelou. Alors, tac, ouais, ça sert à rien. D'accord. Alors, on va voir sur le petit Ça guéridon. a l'air vide. Non, bah écoute, je referme, hein, parce que bon, je suis quelqu'un de très poli, très bien éduqué. On voit que dalle, hein. Par contre, j'ai réglé la luminosité, mais manifestement, c'est pas assez. Non, mais tu sais quoi, je crois que la luminosité, je vais la re-régler parce que là, c'est trop. Voilà, on y voit un petit peu mieux quand même. Ah oui, on y voit un petit peu mieux quand même. Attends, faut pas déconner. Bon, alors. Ouais, c'est joli, hein. C'est un peu bizarre. Hein. C'est comme les click and play. Click and quoi? Attends. C'est pas click and collect, non, les clics. Bon, voilà, tu m'auras compris quoi. Les clics, les jeux point and click. Voilà, les point and click. Oh là là, c'est relou parce que les point and click, t'as toujours des énigmes à deux balles, pas logique du tout, tu vois. Ouais, va chercher le tentacule pour ouvrir la porte qui te permet de, je sais pas quoi, voilà, affirmer. Bague avec un œil écarlate. Bah voilà, on cherchait un œil. J'aime beaucoup l'ambiance, hein, franchement. Enfin, j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup les décors. Hein. Le graphiquement, je trouve que c'est très joli. Après, ce que le jeu te propose, manifestement, pour l'instant, c'est pas trop ma came. On est lent. Ouais, c'est des énigmes sans être des énigmes, en fait. Bon, il y a du. Ah! Oh, comment ça fait flipper! Elle est partie! C'est quoi? Eh, t'as des ailes dans le dos, toi! Oh là là, d'accord. Oh, c'est glauque. La bague avec un œil écarlate. Impossible d'utiliser ça telle quelle. Il faut la démonter, la bague. Attends, comment je peux voir mes objets? Je peux pas utiliser le coupe-boulon pour retirer l'œil. Alors, attends. On va. Ah, tu vois, regarde. Oh putain. Ah, c'est inversé. Putain, c'est chiant. Examiner. Œil écarlate. Voilà. Oh, c'est bien qu'il me dit on peut pas utiliser ça tel quel, parce que sinon, j'aurais jamais pu. C'est déverrouillé. Qu'est-ce qui est déverrouillé? Ah, d'accord, c'est une porte. Oh, bah, c'est mignon comme tout. Les techniques de vinification du château Dimitrescu remontent au 15e siècle, bien avant l'arrière. Il est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Tu vas pas me dire qu'il faut qu'on boive du sang de vierge. J'ai une clé. C'est nécessaire de mettre une musique comme ça en fait quand je trouve une clé. Une musique qui fait flipper. Je crois que c'est dans la salle principale en fait là. Oh là là, qu'est-ce qu'on est lent. C'est pénible. Je suis enfermé dans un truc comme ça, mon pote. Attends, je peux pas courir? Ah si, je peux courir. Ah bon bah. Attends pour moi. I'm watching you. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ouais, je me cache moi. Allez, ouvre! Ah, regarde derrière toi. Putain. Rien que pour se retourner, mon gars, ça va. Oh! Eh, mais gueule pas dessus, toi! Oh! Sale pute! Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non! Oh, mais non! Qu'est-ce qu'il est quoi? Laisse-moi sortir! Et je suis censé faire quoi? Ah bah, ça y est, je suis un vampire en fait. Ouais, bah. Elle me poursuit pas. Il fait trop froid pour elle. Alors, c'est ici, je pense, que je dois sortir. Je suis malheureusement mordu. Donc, oh! D'accord. Ouh, elle est big. Elle est jolie. Ouais, c'est super bien fait, le visage et tout. Trop bien. Oh là là, d'accord, c'est exagéré un peu tes griffes. Bon, je pense que la démo s'arrête là. Non? Ah ouais, non, c'est. Ouais, c'est un petit peu. C'est un petit peu décevant quand même. Bon, c'est joli comme tout. Oh là là, il y a tellement d'écriture. Oh mon Dieu, c'est quoi ce délire? Bon, bah, du coup, on va recommencer. Juste histoire de vous dire que je vais essayer de choper le plus de démos possibles qui sont dispo sur PS5 et puis vous les partager sur ma chaîne. Donc, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut! Toi, tu sais ce que t'es un délinquant! Regarde-moi quand je te non, parle! Non, non. Tu es un délinquant! Le rapport! Le rapport! Le rapport! Quel est le rapport? Eh oui, j'ai une passion pour Beethoven. Étonnant, non?